quand je suis venu, je me souviens, le 27 mars 2007, quand je parlais avec le journaliste Ali Kumba Kisaka, il me disait, président, avec l'État que vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et il voit quoi? 21 commandos de Florent Ibengué sont prêts pour la bataille de ce mercredi 21 février au stade qui n'a qu'une année depuis sa construction le 28 janvier 2017, Bingu National Stadium du Malawi. Le stade appartenant donc à l'équipe hôte Biforward Wanderers. Apparemment, son aire de jeu n'a pas fait confiance au mentor Florent Ibengué de l'ASV Club. Le terrain n'est pas très bon parce qu'il y a beaucoup de rebonds. Il y a beaucoup de rebonds, donc. Mais bon, c'est comme ça. On a joué chez nous. À nous de nous adapter ici et on ne trouvera pas d'excuses par rapport au terrain en tout cas. Mais on a fait des entraînements pour pouvoir récupérer. Donc on est bien. On est en train on a fait un bon travail pour pouvoir être au mieux le mercredi. On a voyagé à 21 et même s'il y avait un malade, il serait remplacé par quelqu'un d'autre. Donc de ce côté-là aussi, on s'est prémuni. Donc il n'y a pas de souci. Séance de prise de connaissance de terrain qui a permis aux joueurs d'avoir l'idée sur la circulation du ballon. Chose pas du tout nouvelle chez les Congolais. On se souvient les différents terrains dits terrains zélotiques. Pas d'inquiétude pour le protégé du général Gabriel Amissikumba du Tangofort. Tour à tour, Jésus Muloko du Kapende, Lenga Mukoko, Fabrice Ngoma et le capitaine Nelson Munganga Omba reste très optimiste et assure. Ninga le bête, le peuple congolais va soutenir le club de Bamatouya pour la personne pour qu'il y ait une qualification. Mambabi va se voir calme. Si tu as un écoute, c'est un retour. Écoute, il soutient vraiment sa moi là bien. Au final, il faut le photo de la qualification pour ta prochaine match. Nous avons eu le match qui est pour nous deux qualifications sur le Banda. Tout ça l'effort au milieu pour tout gagner sous son équipe qui est dans la phase d'aller tout ça bien. On a eu ça l'absolu bien pour nous. Nous avons eu ça. Nous avons eu ça avec lui sur Bolanda Ngai. Tout est pour rapporter victoire, tous en victoire. Tout ça m'a moral et à l'icolo, tout a soudé. Toujours on a la qualification. Ouais, avec toute l'équipe, vraiment fort, toujours on a la qualification. Bon, on a un peu de calme. Le moment où moral n'a pas été bien. L'objectif n'a pas été d'abord la qualification. Et le côté, il y a la carte ici à Malawi. Il y a le côté, mais il y a la qualification. Nous préparons calmement parce que tu dis qu'il y a des matchs à aller. Maintenant, tu as qualifié, tu as qualifié mercredi. Ouais, ça va supporter, on va calme, on va continuer à prier. Pour l'équipe de l'Ouvre Club, pour la BISOP 1 à 4 et 6 coups, parce que tu es l'île où tu es la qualification. Mensana incorpore sana, mieux un esprit sain dans un corps sain. Le médecin de l'équipe de la SV Club, Dr Mathieu Matoussimoi, n'a plus d'inquiétude dans son domaine. Dans l'ensemble, on a essayé d'amener un groupe qui n'a pas de problèmes de santé. Les joueurs sont en très bonne santé. Et nous sommes bien arrivés, on est bien logés, sauf un peu de fatigue hein, parce qu'on a eu à faire un long voyage. C'est comme ça qu'hier, on n'a pas voulu les utiliser, on les a reposés. Le soir, on a fait un peu de décrassage au niveau de la piscine. Et ce matin, vous voyez le couple est sur le terrain en train de bosser pour dire que tout le monde va bien, tous les joueurs sont sur le terrain. Ça va, on mange bien, on récupère bien. On va voir jusqu'au mercredi ce que ça nous réserve comme... surprise, mais je ne pense pas que nous ayons de problèmes de santé, d'autant plus que le terrain est bon et tout va bien. Reste à souhaiter bonne chance au protégé du général Gabriel Amissikumba du Tangofort, sans oublier la devise fétiche, pourquoi pas avec club. Quand je suis venu, je me souviens,
le 27 mars 2007 quand je parlais avec les journalistes Ali Kumba Kisaka. Il me disait, président, avec l'État que vous allez faire quoi? Vous allez commencer où? Maintenant, je pense cette question, je vais la remettre à M. Ali qui m'avait posé, nous sommes où et qui voit quoi?